Allô tout le monde, voici Champion MMCL. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en informatique. Oh, quel criquet. Aujourd'hui, on voit RPG Maker pour une deuxième fois. Ouais. Pourquoi pour une deuxième fois? Parce que la dernière fois, on était avec RPG Maker VXS. Mais aujourd'hui, je suis avec RPG Maker MV, qui est une version plus récente. Du moins, c'est la plus récente. Là, j'ai fait un tutoriel sur MV. Ça veut pas dire que je veux faire continuer plutôt avec MV. Et pourquoi? Parce que les VXS et MV ne sont pas compatibles. Sachez que chaque image, exemple ce personnage là, c'est une fois et demi plus gros que VXS. Malheureusement. J'ai fait des tests et tout, et malheureusement c'est vrai. Alors c'est pas compatible. Pourquoi je veux pas continuer sur MV? J'aimerais bien ça. Mais le problème c'est que ça va, vu que j'ai déjà bien avancé le jeu, je ne recommencerai pas. Puis en plus, niveau personnage, j'aime bien le personnage VXS. Puis ça changerait complètement le personnage. Comme ça, on va aller tout de suite voir les fonctionnalités de VXS. De MV. Comme ça, entre VXS et MV, il y a plusieurs options qui est différent. Ça, il n'y a rien qui change. Map, c'est pour dessiner. Ici, c'est pour les événements. Ça, ça. Il n'y a rien qui change rendu ici. Ici, on peut voir très proche. Donc, on peut aller assez loin. On va aller du... Ça, c'est... Ça, ils ont changé ça un peu. Ça, c'est... La personne normale. Ici, il y a tout ce qui est... Bon, je ne sais plus comment ça s'appelle. Base de données. La base de données, c'est comme VXS, inquiétez-vous pas, c'est la même affaire. La différence, c'est que ça a changé pas mal. On va aller avec les acteurs. Voici les acteurs de base. Sachez que je suis avec une version démo, une version d'essai de 30 jours. Essayez pas de... Et on va dire ça de même. De refaire... réessayer de troller ceci parce que vous ne réussirez pas à moins de le craquer, mais ça c'est une autre histoire. Une autre différence qu'on voit très bien ici, il y a le visage, ici le personnage, et ici il y a le combattant. Ça c'est nouveau, on n'avait pas ça avant, on avait juste les deux. Ici on voit toutes les personnages, les faces que l'on peut y avoir. Oh, le chat! Oh! Tant on peut envoyer ici. On va changer ça. Oh, j'avais pas vu ça. Vraiment, on voit vraiment bien les personnages. J'aime bien ça. Ils se sont vraiment améliorés là-dedans. C'est beaucoup moins pixelisé. On voit très bien où est le roi, on voit bien plus en ce moment qu'avant. On voit bien plus les différences. Personnages. Il y a plus ou moins de différences quand même. Le chat. Honnêtement, il y a plus ou moins de différences. Oui, c'est une grosse différence, mais ça reste néanmoins, ok, ça reste néanmoins, mon Dieu que ça a changé, c'est vraiment différent, ça reste néanmoins quand même une certaine pixelisation, malgré qu'on voit pas le pixel du tout, mais ça reste quand même petit. Ici, est-ce qu'il y a combat? Ici, il y a tous les combats pour chaque personnage. Ça m'étonnerait qu'il y ait
qu'il y ait pour le choix. On voit pour chaque personnage. On va y revenir plus tard avec les personnages. On va faire aucun. Klaus. Ça change absolument rien. C'est le même, les mêmes choses qu'avec VXAS. Désolé. Ici, c'est tout ce qui est combo. Garde, double attaque, tout ce qui est combo. Objet, c'est les potions, les affaires de main. Les armes, les épées, les armes en général, les armures, les ennemis. Aussi, on peut voir, on voit vraiment les ennemis, ça a changé aussi. C'est plus de, des personnages, mais il me semble, il y avait juste des personnages avant. Je pense que oui, je me souviens plus. Du moins, j'utilise jamais ça. Il y a aussi, bon, il était là aussi dans VXAS, mais un peu différent. Celle-là, mon dieu. Chache. Drôle de bibitte. Un chien à trois têtes. Ouais, il y a des nouveaux, des nouvelles bibittes. C'est quoi cette affaire? Mon dieu. Ouais, il y a beaucoup de personnages humains aussi. Puis des bibittes ont bizarre. Mon dieu. Ah, il y en a pas mal quand même. Pour une version d'essai, là, il y en a pas mal. Je peux pas dire le contraire, il y en a pas mal. Il y en a peut-être même plus que VXAS. On dirait. Il faudrait que je revérifie ceci. Bon, ça c'est au hasard, là. La chauve-souris, on va le remettre là. C'est une drôle de bubite quand même. Troupes. Ici on peut faire encore les troupes. En ajouter puis en combiner. Ça change rien. L'état. L'empoisonnement, le jet. Qui fait frais. C'est vrai qu'il fait frais. Mais comme maintenant il fait frais là. L'hiver arrive bientôt, malheureusement. Mais avant, c'est bien sûr, c'est l'Halloween qu'il faut qu'il arrive. Les animations. Donc, je risque sûrement de m'y amuser à m'en aller dans, sûrement avec VXAS. Et non MV. Les titles. Les terrains, tout ça. Bon, il y a des choses qui ont plus ou moins changé, mais le graphisme a vraiment changé considérablement. Puis on a rajouté des nouvelles aussi. On peut voir ici aussi, c'est mauve. Ça c'est nouveau. On a des affaires un peu plus modernes aussi, comme ceci. On a des escaliers comme ça maintenant. Oh, intéressant. Je découvre encore des choses que j'ai pas encore découvert, honnêtement. Puis moi, je pense que je vais revenir faire une petite coupure parce que j'ai soif. Il y a même des routes et tout ça, des choses plus modernes. C'est incroyable quand même. Ici, c'est les communs, les événements communs, comme ça peut changer. Les affaires système qui ont énormément changé aussi. Des types, tout ça. Et des termes et tout. Je fais une coupure, je reviens parce que. J'ai.
commence à moins bien parler parce que j'ai soif. Bon, on est de retour, j'ai dû boire de l'eau parce que ma gorge, j'ai de la misère à parler. Ça prendra pas de temps avant que ça recommence. Là, on va aller continuer ici. C'est quoi ça? Gestionnaire de modules? Hein? Si je me trompe pas, c'est... Je m'en souviens plus c'est quoi, honnêtement. Mais je sais que de plusieurs choses, des grosses améliorations aussi qui se sont ajoutées à ça, c'est des plugins. Ça, je sais pas trop c'est quoi. Screen. Alt menu screen. On. Alternative menu screen. Acteur, ceci. 10 plugins. Ouais, ça, c'est des affaires de plugins. Ok. C'est pas mal ça, c'est des plugins. C'est quoi exactement ça, je peux plus ou moins vous le dire parce que je ne connais pas trop ça parce que c'est nouveau. On va revenir pour ça. Ici, c'est tout ces affaires d'interrupteurs. On peut. J'avais pas remarqué ça. On peut déjà, au lieu de faire ceci, interrupteur configuré, on peut configurer directement à partir de là, faire des variables à partir d'ici, puis ou les ondes, des noms d'événements. Puis on peut voir chaque variable, chaque interrupteur, puis tout ça. Intéressant. J'avais pas remarqué ça. Puis on va aller dans la partie un peu intéressante. Avec la création des personnages. Ils ont vraiment simplifié le tout. Visage, on peut choisir le visage, puis on peut voir ici, bien sûr. Si on voit que... Avec le personnage principal dans Perfor. Pas trop sur lequel. Peu importe. Je sais même pas sur lequel coupe de cheveux. Ouais, lui-même. Au hasard. Plus ou moins. On peut l'enlever aussi, mais ça c'est pas ceci. Puis on voit tout en même temps ceci. Vraiment, ça m'intrigue. Attendez un peu. Ça m'intrigue. Pas mal. Non, je veux pas y aller. Peu importe, je vais le faire comme que je pense. Ici, arrière, ça est correct. Plus ou moins différent ces deux-là, honnêtement. En avant. Je pense que ça c'est correct. Mais ceci là. Les oreilles ça change pas. Bah, là. C'est à peu près ça. C'est le personnage principal donnerait ça. J'aime mieux l'autre, honnêtement. Pas pourquoi j'aime mieux l'autre. J'aime mieux celui de VXS. On peut bien sûr faire aléatoire, image du visage. Ici c'est visage. Ici c'est de déplacement. Si c'est de combat, ça a changé énormément quand même. On peut pas dire le contraire. Là, on va aller ici. Ah non, même avant. Avant. On va retourner ici, système. Ici, ça change plus ou moins. Ici, le titre du jeu. Ici, on va le mettre en dollars. Les options. Ici, joueur. On peut le mettre où qu'on veut. Soit mettons qu'on veut le mettre là. Il va aller là. Bateau. Même affaire. Navire. Etc. Château. Ici c'est le début. Comme dans le page titre. C'était quoi que j'avais pris? On pourrait mettre ça, mais je pense que c'est le château en tant que tel. Ouais, je pense que c'est celle-là. C'est exactement ça. Rendu ici, ça a changé. Mouvement et tout.
Musique titre. On va le réécouter, ce sera en niveau directement comme cela. Ça, c'est la musique titre de combo. Deux fois, tiens. Victory! C'est bon, les musiques. Comme avec VXS, on peut vraiment personnaliser le tout. Si dans VXS, on avait les scripts. Je pense qu'ils ont déplacé. Hey! Ici, est-ce que déploiement? On va enregistrer. On voit que c'est à peu près la même affaire. Oh! La chenille est activée. Pour désactiver la chenille. On va ici dans le système. Et où est-ce que je peux pas où qu'elle est, honnêtement. 1. Afficher suiveur du joueur. Voilà. C'est parfait comme cela. Là, on va dans les. On va aller avant dans les musiques, on va aller dans le déploiement. Sachez que maintenant, on peut compiler de trois façons. Sur Windows, sur Mac OS et Android. Et oui, on peut vraiment le compiler. Nous pouvons maintenant compiler de cette façon-là. Mac OS et Android en plus de Windows. Qui est très bien, honnêtement. Mais on va pas le faire quand ça va être long. Ouais, ça va être long. Ça, c'est une bonne amélioration que pour ceux que j'aimerais savoir MV. Mais c'est sûr qu'on pourrait je ferais trouver un logiciel qui change tout simplement la compilation ou qu'il compile d'une autre façon. C'est ça. Là, on va aller dans la boîte intéressante. Les musiques. Ça, c'est celui qu'on a entendu, bien évidemment. Ça, c'est le deuxième. Lui, c'est celui qu'on entend avec le système. Ça, c'est un autre. J'aime mieux celui-là. Sachez que certaines musiques que vous avez entendues dans RPG Maker, Perfor Demo, reconnaissez les musiques. Peut-être. Ça aussi, c'est, j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien les musiques de VM. MV plutôt. VM, sérieux. Au contraire. C'est dangereux. Oh, je sais pas ce que c'est. Si je me trompe pas, c'est celle qui prend. Si je me trompe pas, c'est celle-là. On va écouter, mais. Bon, on va y aller de toute façon. Oh, on peut même sélectionner avec la souris. Ah, je savais pas ça. Non, c'est. Celle-là, c'est. Au début, ce que je mettais. Je me trompe pas. Honnêtement, j'aime bien les musiques. Une petite douce. Celle-là, je le prends. Je le lis. Je vous le dis pas dans quoi.
Celle-là, j'espère que vous le savez. Dans quoi qu'il est. Ça, c'est dans le pire port des mots. Ça, c'est sûr et certain qu'il est là-dedans. Donc, la page titre. Non, tranquille. Ça, c'est celui que... la page tête actuelle. Un peu de guitare. C'est ça à peu près pour l'instant, parce que faut pas oublier qu'on a la version d'essai. La version complète doit avoir au moins toutes les musiques, probablement. Mais là, vu qu'on n'a pas la version complète, on peut pas avoir toutes les musiques. Ah, je remarque ça. Mon dieu. Ceci, c'est pour les systèmes. Le système de combat. On en rajoutait pas à peu près. Il y en a 255. En gros, ils en ont rajouté pour un octet. Parce que un octet, c'est de 0 à 255. En gros, c'est 256 données. Vous comprenez, un octet. Ben, en adresse IP, exemple, c'est 256 adresses IP en incluant le 0 et le 255. En gros, ça c'est une autre histoire par contre. Il y a 256 au total. Donc, 255 possibilités dans ce cas-ci. Donc, un qui est utilisé pour rien. En gros, on a 256 possibilités. Comme que je vous dis, c'est comme un octet. En gros. Pour 256 possibilités. Bon. Ici, l'interface a changé. Ici, il n'y a pas grand chose qui a changé. À part qu'ici, c'est la même affaire, pas mal. Partout. Ici, vraiment, il n'y a pas autant d'affaires comme ça. Dans le temps. Ça a changé pas mal, changé de niveau, changé de paramètre. Bon, dans message, il y a eu texte, afficher les choix, ils en ont rajouté. Avant ça, on se limitait à 4 choix, mais maintenant, on se limite à 6 choix. Qui est bien, l'arrière-plan fenêtre, on a même plus d'options, en plus. Le texte. Qu'est-ce qui est bien, c'est que, vous voyez ici à bas, avant ça, même si, exemple, là on le voit pas, mais ça se trouvait qu'ici on voyait pas, à partir d'ici ou même des fois même plus loin. Quand je dis qu'ici, si je prends cela, non, je vais prendre le, pour le fun, on voit que la limite est plus basse, qui est très bien. On a la même affaire, il y a des options, on a l'aperçu qui est au R. Non, il coupe la lettre K N. Ah même c'est. Il prévoit un peu plus psy que prévu même. Ah c'est bien. Entrer un nombre. Ah, me semble. Non, je pense qu'il y a le même nombre. Je vais sélectionner un objet. Ça, c'est montrer le texte différent. Si on veut mettre un texte différent, interrupteur, contrôle de variable, ça change pas du tout. Contrôle de progression, branche conditionnelle. C'est pour les conditions, en gros. Les boucles.
rompre une boucle, sortie de traitement, événement commun, label, c'est qu'est-ce qui... C'est du texte. Nom du label à régler. Je sais qu'en programmation, ça on met du texte, mais je sais pas à quoi que ça veut, qu'ils veulent, à quoi ça sert. Passer au label. Mettre des commentaires. C'est exemple. Ah, ça c'est pour faire ceci. Exemple. Au début, je pensais que c'est, au début, là, quand j'ai commencé, je pensais que c'est afficher le texte. On va dire. Ceci. Et une boucle. Ceci est une boucle. Voici, il est en commentaire. Mais ici, le groupe changer ordre. Changer or. Plus pro, changer d'objet, arme, blablabla. Transférer joueur. Probablement, on peut transférer un le joueur. C'est une... Ah mon dieu, c'est la téléportation. Mon dieu, on a changé le nom. On a changé le nom de pas mal d'affaires, on dirait. Régler emplacement véhicule. Régler emplacement événement. Ouais, c'est événement. Faire défiler la carte. Réglage trajectoire mouvement. Monter descendre du véhicule. Ça, les noms ont changé, ça c'est sûr. Changer la transparence, changer suiveur du joueur. Rassembler les suiveurs. Monter l'animation, monter l'icône ballon. Ballon. Je sais pas. Il fait ses événements. Les images. Afficher l'image, bouger l'image, tourner l'image. Teinter l'image, effacer l'image. Attendre. C'est sûr qu'il faut toujours qu'il l'aille. Parce qu'il faut attendre des fois dans la vie. Faut être patient dans la vie. Effacer progressif. Effacer progressif l'écran. Ok. Pour probablement mettre noir. Fond d'écran. Teinter l'écran. Flasher l'écran. Secouer l'écran. Régler l'effet météo. Ce truc, ce qui est audio, lire un film. Ici, contrôle de scène. C'est tous les contrôles, dans Game Over, un grand set, ouvrir des affaires. Paramètres système, c'est tout ce qui est mode de combat. Carte, afficher les noms de la carte, changer les titles, le parallaxe qui est ok, les fonds, les combos, les fonds de combo. Obtenir plus d'informes, obtenir les fonds emplacement pour les variables, c'est la fin de variables, les combos, tout ce qui est combo encore, avancer les scripts, on peut se faire des scripts. Et commande de module. Encore ces choses, certes, des fois que je ne sais pas. Parce que encore là, c'est nouveau. Jeu outils, base de données, gestion de modules, de façon, chercheur d'événements, générateur de personnages. Où que l'on met. Je sais qu'ici on peut régler, exemple. C'était le bon. On peut régler le son. Mettre à 0, hein, mettons. Ça, c'était le son de ce qu'on entendait. Clic, 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 clic. En gros. Toujours courir. Commande. Se rappeler. Je sais pas trop c'est quoi. On vit comment. Ah. Une nouvelle partie.
Comment quitter ceci? J'en ai aucune idée, à part du X. Ils sont plates pour ça. Il y a une façon d'aller dans la file de script, ça c'est sûr. Mais bon, je sais plus. Je l'ai déjà trouvé, si je me trompe pas, ou si peut-être je l'ai pas trouvé, non, je sais pas, je m'en souviens plus. Mais il y a une façon d'aller dans les scripts. Je vous le dis tout de suite. Il faut juste chercher, là, je vais dans la même place. Non, je pense que c'est juste pas. Ou je l'ai déjà trouvé, mais je m'en souviens plus. Peu importe. Mode. Carte. Mode événement. Dessin. C'est ici, c'est qu'on est en mode carte. Base de données, tout ça, classe de son. Jeu. Play, c'est ça. Non, je sais pas qui est où il est. Mais c'est pas grave parce que nous allons se laisser maintenant. Alors pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, ce tutoriel sur RPG Maker VXS MV plutôt. RPG Maker MV et non VXS. Ouais. Et c'est pas à vous abonner, vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou aller visiter mon site internet dont le lien est sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller faire une petite visite aussi sur championmmcl.ml. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en informatique dont vous ai réservé un bon tutoriel bien pratique qui va vous peut-être servir à plusieurs quelques personnes peut-être qui vous allez savoir une bonne base d'une affaire dont vous voyez ou que vous allez régulièrement du moins en ce moment ce que vous utilisez YouTube est une chose que j'avais un peu expliqué. Je sais pas pourquoi, je vais parler de tout cela en détail dans la prochaine vidéo. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.